Eh bien voilà, re tout le monde, donc ça y est, j'ai farmé juste quelques rochers là, et puis voilà, rien de nouveau par rapport à la dernière vidéo. Si ce n'est que voilà, j'ai 210 métal or. Donc on va rentrer faire chauffer tout ça, je vais en profiter pour prendre un petit peu de bois autour de chez moi aussi en même temps. Étant donné qu'il y a deux joueurs qui rôdent et qui aiment bien killer les gens aussi, je vais rester sur mes gardes un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien sécuriser la maison en priorité là. Donc voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y avait à dire, on rentre. On va ouvrir la fournaise. Voilà, on a ça à mettre. Ça aussi. Ça va être un stack de bois. Voilà. Ah bah ici j'en avais laissé que 100, il me semble. Et c'est quand même ça a quand même chauffé, c'est quand même brûlé. On va tenter avec 80. Alors voilà, on va, ouais, non, on va couper du bois déjà. Couper du bois, il va falloir pas mal de métal. Enfin, surtout, il va falloir pas mal de métal qui chauffe, quoi, donc ça va être un petit peu long. Je pense que je mettrai le digicode en premier, du coup, vu que c'est quand même la priorité, que je vais peut-être pas partir farmer de suite une fois que j'aurai le digicode. Alors, à noter que j'ai plus. Oh, regardez tout ce qu'il y a farmé derrière, tous les cailloux. Ah, quand j'aurai la pickaxe, je crois que je vais aller me faire un petit plaisir là-bas. Ah, ouais, nice. Par contre, niveau forêt. Plus grand chose autour de moi. Regardez la dura qui descend très lentement quand je tape les arbres avec la hache. Ça c'est bien. Parce que déjà qu'elle est pas en état. Ouais, j'ai l'autre ici de toute manière. Hop, continue. J'hésite à me mettre full life aussi. Parce que je sais pas si je reçois une flèche par exemple en étant full life, si je meurs du premier coup ou pas. En tout cas, si je le suis pas, je sais que oui. Bientôt être full en fait. Full de bois, nice. Du coup, ça va être l'occasion de monter un petit peu la maison là, tranquille. Tranquillement. Hop, 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 hop. Ah, d'ailleurs, j'ai pas amélioré ça non plus. Ça, j'ai pas pensé, vous voyez. On va reprendre le marteau. Hop. Marteau. On va laisser là en fait. Hop. Wooden. Ah oui, j'ai pas mal de stone sur moi. Sachant que c'est 300 stone, je crois. Ou 200 pour améliorer un mur. Du coup, on verra plus tard pour améliorer un stone. Du coup, j'aimerais un petit peu de place là. Voilà. Ça là-dedans. On va mettre ça. Le campfire. Eh mais non, mais c'est encore trop cuit. Alors peut-être que c'est trop cuit parce qu'une fois qu'il est dans le campfire, même s'il n'y a plus de feu, ça continue de chauffer. Ou alors peut-être que... Attendez, on va en mettre que 60 ce coup-ci. Je vais toutes les perdre. Peut-être que le feu dure plus longtemps, tout simplement. Même quand il y a zéro, ça continue ou j'en sais rien. Voilà, 150...
Ça, je vais laisser. Ça. On va remettre. Qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, on va ranger. Ça va là. Ça, ah oui, bien joué. Bien joué les stacks. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. On va faire le code lock. Et ensuite, ouais, ensuite il manquera plus qu'à faire le truc, ok. Alors, ici on en est où? Ici on en est où? Il me manque, donc là les sols, allez hop. Wooden, wooden, wooden. Après bien sûr, vaut mieux améliorer du coup le rez-de-chaussée avant l'étage. Parce qu'en théorie, s'ils vous raident, ils auront plus de chances de passer par en bas. Hop. Reste plus beaucoup de bois hein, déjà. Ça part super vite quoi. Ça part vraiment super vite. Tac tac tac. Wooden. Donc là c'est pas mal déjà. Il manque celui-là. On est pas mal. La porte, on peut l'améliorer par contre que en métal directement. Et en fait, il y a marqué métal, mais c'est pas du métal. Ça se fait avec la stone. Regardez. Hop. Ça se fait avec la stone et du bois du coup. Parce que les murs en stone aussi, il faut du bois pour améliorer. Regardez, hop. Ça me fait moins 300 stone, moins 200 bois. Et effectivement, ça fait une porte en métal, mais avec de la stone. Hein. Et l'animation, remarquez qu'elle est différente de l'animation d'une porte en bois qui coulisse bien en fait, j'ai envie de dire. Regardez. Celle-là, elle s'ouvre bien. On voit bien l'animation alors que l'autre se téléporte en fait. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas bien gênant. Donc j'aurais vraiment pas assez de caillasse pour tout augmenter. Ah voilà. Bah c'est ça en fait, pour la viande, il faut une soixantaine de bois hein, finalement. Il en faut genre 60. Oh, j'en mets toujours un peu plus au cas où que ça crame pas non plus, mais. Mais que ce soit suffisant. Hop, là-dedans, où est-ce qu'on en est? J'ai bientôt assez pour pouvoir faire ma salvage. D'ailleurs, j'aurais bien plus. Pourquoi? Comment je me suis débrouillé? Peu importe. C'est. Ah, mais non, j'aurais pas bien plus. Non, non, c'est 250, non? Bah, c'est bon, non, j'aurais pile poil ce qu'il faut. Non, non, je sais pas comment je calcule là. Non, c'est bon, j'aurais pile ce qu'il faut. D'ailleurs, pour éviter de l'utiliser, vous savez quoi, je vais quand même le ranger. Quand même le ranger. Je sais pas où en fait, parce que tout est full. Si, ici. Ici, c'est bon. Ça aussi. Ça, on verra après. Ça. Ok. Voilà, on va mettre le digicode direct. Hop. Alors après, on appuie dessus. On met les mots de passe qu'on veut. Par exemple, là. Rester soft pour la vidéo. Ensuite, si vous voulez unlock la porte pour tout le monde, vous appuyez là-dessus, ça devient vert. Si vous voulez la lock, vous rappuyez, ça devient rouge. Et vous n'avez qu'à ouvrir la porte normalement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça commence à être déjà un peu plus safe. Bon, même si les murs en bois, ça peut se casser quoi. D'ailleurs, là, ça a pris des dégâts. Ah, c'est peut-être ma flèche. Ça, c'est quand on tire avec les flèches, ça fait des dégâts aussi au mur. Donc voilà, on peut réparer. Faut checker un peu tous les murs en fait. Hein. Ok. Donc là déjà. Déjà on commence à être bien. On commence à être bien parce que là je vais juste attendre après le métal finalement. Ah, je voulais voir vu que j'ai mis 65 à partir de combien exactement ça change. À partir de combien c'est cuit. Mais du coup, maintenant que j'ai fait ça. Bah, il me reste encore un peu de bois peut-être pour continuer ça. Voilà. J'aurais pas assez pour améliorer.
Du coup, on va juste faire les plans, on va faire en sorte voilà, qu'ici soit fermé après. Là aussi, il sera important de upper tout ça. Parce qu'on sait jamais, si le mec passe par en haut, du coup, ben, là, il a accès à ma maison encore. Donc, normalement, il ne peut pas construire. Mais bon, le mec, il fait une tour un peu plus loin, il peut sauter dans ma maison, donc c'est un peu chiant, quoi. Voilà, bon, déjà, ça commence à prendre forme, ça commence à être un petit peu bien. Non, ok, bah c'est cuit. Ouais, bah écoutez, 65, on va laisser ça. On va laisser ça. 66, allez hop, c'est poigné. On y est, du coup. Du bois, ouais, je vais aller fermer du bois un peu encore. Juste aller fermer un petit peu de bois pour refaire une caisse et mettre un petit peu de stuff. Ça, je vais en manger un. Comme ça, je suis vraiment full. Et voilà, ce serait bien que j'aille faire un petit tour au rad. Soit radiation, soit que j'aille directement dans la neige, là où je vous ai dit que j'ai trouvé pas mal de tonneaux. Après, faut espérer que ça repop aussi, quoi. Si ça repop pas, c'est quand même un petit peu loin, ce sera embêtant. Alors voilà, on va pas s'embêter. Petit coffre. Petit coffre, petit coffre. Food storage. Ah, c'est pas très long. Ah mince! Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai assez, heureusement. Cela, il m'en manque combien? 88 à faire chauffer, ok. Le coffre, il est bientôt fini, donc on va se placer ça ici, hein. Hop. Ça, j'ai un peu de place pour poser ça et hop. Oh, vous me direz, j'avais pas grand-chose de plus à mettre en fait dans les coffres hein, finalement. Ah, on peut les mettre les uns sur les autres maintenant. J'avais pas ça par contre. Hop. Est-ce que celui d'en dessous marche toujours par contre? Ouais. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Bah la viande du coup je vais la garder avec moi comme ça je vais me remettre un peu de vie. Pendant. Ouais donc celui-là pour moi il est mort, je le drop. Ça on sait jamais, ça peut servir en fait. L'arc je vais le mettre là. Ça voilà, généralement le strict minimum. Ouais le bandage. Hop. Ouais bon allez. Hop. Ferme-toi, merci. Merci, merci. Là, c'est chaud. Normalement, ça devrait pas continuer de cuire, mais ce sera l'occasion de le voir. Hop, voilà. Et puis dès que j'ai assez pour faire la pickaxe, je la fais. J'irai fermer un petit peu. Comme ça, je vais essayer de payer bah, tous mes murs en bas. Et comme ça, surtout, bah voilà, entre la hache que j'aurai plus la pickaxe, je pourrais faire des outils assez intéressants assez rapidement et je pourrais faire voilà, tout va aller plus vite de toute façon. Alors c'est parti. On va fermer là-bas. Je vais essayer de faire la partie droite du coup qui m'intéresse un peu plus. Il y avait l'air d'y avoir plus de caisses et tout. Et en l'occurrence j'aurais pas le choix. Je pourrais pas faire les deux parties encore. C'est vrai que pour ça les vêtements en tirade ça aiderait bien. Ah ça two-shot ça, c'est nice. Ah non. What the fuck? Y'a rien. Wooden arrow, bone fragment. Pas super utile. Pour l'instant, c'est pas génial. Building plan, pas super utile. La spire. Je suppose qu'on a déjà le plan de base. Hop, une caisse. Oh! Oh! J'ai eu un bolt, les amis. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de recherche kit dans ce jeu là. Actuellement, donc. Même en ayant le bolt, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir l'apprendre pour pouvoir en crafter d'autres. Par contre, j'en ai un de stocker du coup. Un sleeping bag, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Hop. Un arc. Donc ça, je peux pas apprendre. Ça, j'ai déjà appris. Ok. Pas s'embêter. Ah, ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu dis? Voilà.
Si je mange, est-ce que ça m'enlève un petit peu de rad ou pas? Pas du tout, mais ça me revêt de la vie. J'avais oublié une case ici. Est-ce que je tente du coup de continuer à droite? Mais j'ai peur si les rats continuent de monter que même en partant après je vais perdre masse de vie. Bon, a priori je suis parti pour le tenter, je suis un fou. Ok, y a que dalle. J'essaie de bien regarder partout. D'accord, il n'y a vraiment rien ici en fait. Ok. Merci d'être passé. 87 de rad. Ça fait mal. On court. On court. Alors, priorité, sortir des rads. Ensuite, je mange un petit bout pour m'en remettre de la vie, bien sûr. Voilà. On est bien. On est bien, on a un petit bolt là, ça c'est plutôt pas mal. Même si je préfère avoir les plans plutôt, comme ça je sais que je peux refaire l'infini parce que voilà, si je me fais raid après je perds tout, sinon c'est embêtant. Mais j'ai un petit bolt là sur moi, hop, ça c'est plutôt cool. Donc les balles c'est ça, c'est 556. Pareil, il me faudra des balles aussi pour le bolt. Voyons voir, hop. Donc effectivement les sons sont encore buggés, vous entendez? On n'entend pas quand je tire avec. Ouais. Par contre, je suppose que les autres m'entendent. Enfin, peut-être que les autres m'entendent, donc à faire gaffe. Mais c'est vrai que certains sons sont encore buggés. Bon, je sais, je gaspille des munitions, tout ça. Je sais même pas si je vais pas les garder sur moi d'ailleurs, enfin, l'arme et tout. Bon, tant que je suis là, je peux peut-être le mettre là et ça peut me servir si je me fais raid. Mais pff, concrètement, là, la nuit il va passer, je vais me faire raid, c'est sûr. Donc je le perdrai, hein, a priori. Pour ça que je préfère les plans. Bon. Écoutez, on va le stocker en attendant, on va reprendre la torche du coup. Hop. On va reprendre même les deux torches, on va mettre ça là. Les vestes en... J'ai envie de dire, j'en ai un autre là déjà, ça coûte pas super cher, je sais pas si je vais les... Je vais les garder. La viande humaine, du coup, dans le doute, je vais la dropper. Sleeping bag, je pourrais m'en mettre un autre à la rigueur, c'est pas bête. Je pourrais m'en mettre un autre, je sais pas d'ailleurs, bah, ce serait l'occasion de tester, vous savez quoi. Je vais le mettre pas loin, au pire, je ferai une pièce plus tard et tout ça, pour le protéger un minimum. Mais là, l'idée, ça va être de le mettre pas loin. Et de se dire. Voilà, maison 2 par exemple. Et de se dire, si je meurs deux fois d'affilée, est-ce que je peux respawn deux fois du coup à la maison? Ou est-ce que ça va être comme dans l'ancien Rust à la fin? C'est-à-dire deux sleeping bags à côté ne fonctionnaient pas, il n'y en avait qu'un seul sur les deux qui marchait à une distance, je crois, de 50 mètres ou un truc comme ça. Donc on va tester ça. Ça, on va boire. Ça, je peux le drop, j'en ai pas besoin. Ça. Alors, la spire, est-ce qu'on peut la faire de base? Ouais, on peut la faire en fait. Ok. Bah écoutez, j'ai une spire pour chasser. Hop là. Là j'ai ma viande. Je pourrais la garder sur moi. Je pourrais aller chasser, oui d'ailleurs. Je pourrais éventuellement aller chasser. Hop. Je commence à avoir pas mal de charbon. Où est-ce que j'ai mis le... Alors, idée. L'idée, c'était de faire mon petit outil. Il me faut du bois. Hop. Veux-tu en voilà. Ok, 3 minutes pour faire ça, c'est génial. 3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? En attendant, je vais reprendre un peu. Genre une dizaine, je crois que c'est une par flèche. Je vais refaire des flèches en fait. Ah non!
Ah oui, c'est 10 pour une flèche. Ah oui, d'accord. Bah oui, le compte est loin là. On n'y est pas du tout. Alors, on va mettre combien de flèches? Bon, bah, on va faire ça. On va faire le max de flèches qu'on puisse, hein. Ça me fera une vingtaine de flèches en. Non, même pas en fait. Pas du tout. Je crois que j'en avais posé quand même. Non, j'avais juste posé l'arc. Ok. Ah non, bah, voilà, là il y a quelques flèches. Voilà, les flèches, la lance. Attends, j'ai le bolt. Faudrait faire un deuxième. Ah, mais j'aurais pas assez de métal. Faut faire un deuxième, enfin sécuriser cette porte quoi. C'est pas grave, de toute façon, on va partir farmer. Dans pas longtemps, j'aurai ça. Ok, 100 secondes. Donc voilà, je vais commencer par le bois ici. Et de toute manière, je vais aller derrière après pour continuer. Alors, combien de temps? 40 secondes, ok. Ça va être cool. Ça va être très très cool. On va faire le plein, hein. Ça, je vais même l'enlever, je prépare la salvage. Hop, crax. Ouais, je parle pas beaucoup, je suis en train de lire un petit peu, ils ont un débat, je sais pas si vous voyez dans le chat en fait. Ils ont un débat sur voilà les mecs qui killent les tout nus dehors, sur les raids et tout, enfin voilà. Chacun son point de vue. Moi j'avais déjà donné le mien à la première vidéo de toute manière. Allez c'est bon, j'ai la pickaxe, je vais aller choper un petit peu de cailloux. J'ai pas mal de bois déjà. Hein. Mais c'est vrai qu'autant bon, autant je comprends qu'il y ait du PVP d'ailleurs. Au pire, ça me dérange pas, même les mecs qui tuent les tout nus à vue et tout ça, même si c'est dommage, parce qu'à la limite, PVP contre des gens stuff, c'est bien parce qu'on récupère quelque chose, mais tuer des tout nus alors qu'ils ont rien, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon voilà. À la limite, je le comprends, mais comme j'ai expliqué bon, en première vidéo, de toute manière, le vrai souci pour moi, c'est surtout les gens qui, déjà, qui glitchent pour faire des raids et tout ça. Et surtout, voilà, les mecs qui s'accaparent les maisons, voire même qui détruisent les maisons entièrement aux joueurs, ou alors voilà. Enlever les sacs de couchage sur un serveur community où on a que ça pour spawn, on peut pas se TP ni rien. C'est aussi dire que le mec, ça se trouve, il retrouvera jamais sa baraque quoi. Donc c'est un peu dommage. Ah oui, ça farm quand même bien plus vite. Et notez qu'un rocher donne beaucoup plus aussi avec la pickaxe, hein. Parce qu'un seul rocher, regardez, je suis toujours sur le même, j'ai déjà 500 stone, 500 sulfure or, 200 métal or. Donc non seulement la durée à la pickaxe descend moins vite, j'en prends plus par coup, et en plus j'en prends plus au total aussi, donc c'est tout bénef. Par contre j'ai enlevé la torche, c'est bien joli, mais hop. Là je pense qu'on va être bien à la fin de ça. Le problème c'est que je vais devoir... Ouais, je vais refaire d'autres fournaises si je peux. J'ai peut-être déjà de quoi, on va voir. Mais voilà, faire d'autres fournaises, ça me permettrait d'avoir plus de. Wooden arrow. Ah oui, c'est, je fais les flèches là aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, oui, je disais plus de fournaises pour aller plus vite, pour avoir le métal, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long de faire chauffer là pour l'instant, comme ça. Bon, après, le métal, je vais pas en avoir besoin pour grand-chose, hein, à part les outils. Après, il y aura les armes, mais il faut que je les débloque d'abord. Donc en fait pour l'instant ce qui est intéressant c'est déjà de choper masse de stone pour pouvoir améliorer les murs.
Oh my god! Tout ce que j'ai? 1500 sulfure, 1500 stone, 600 métal or. Ah oui, non mais ça a rien à voir ça. Ah oui, non mais là je comprends, oui, on va 1000 fois plus vite quoi comme ça. Après j'ai 1500 stone mais finalement c'est pas tant que ça quand vous voyez qu'il en faut genre 200 ou 300 pour améliorer un mur. Ça va vite s'épuiser aussi, hein. Mais bon, imaginez-vous s'il faut farmer tout ça avec un caillou quoi ou avec une hatchette, c'est pas la même chose. Allez, bon, on va déjà rentrer tout ça, on sait jamais. Je préfère rentrer petit à petit que de prendre masse de trucs d'un seul coup. Surtout quand je suis tout seul, on sait jamais si on se fait tuer et qu'on perd tout après. C'est un peu. On est un peu dépité. Alors. Il commence à y avoir du monde en fait ce soir sur le serveur. Hop, 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 hop. Du coup. Hop. Là on est bien ici. Écoutez, on va faire ça. On va mettre 1000 là-dedans. Ça, on va le sortir du coup. On va le sortir, on va le sortir. Allez, on allume. Comme ça me fait un petit feu. Ah ben non, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Bon, je peux m'allumer avec ça, hein, voilà, ouais. Moi ça m'éclaire un peu, ça vous éclaire aussi. Je vois un peu plus ce que je fais. Ce que j'ai fait. Alors, là-dedans. Bon, il me faut vraiment les larges storage, hein, par contre. Ah, mais j'avais déjà un plan. Pourquoi j'ai deux plans? Je sais pas comment je me suis débrouillé, là, dans mon histoire. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre à la place. La stone, de toute manière, je vais la récup. Puisque je vais améliorer là. Ça, on va le garder. Ok. Alors, améliorons déjà le bas. Stone wall. Ouais, 200 stone, 400 wood. Ouais, donc ça va très vite partir. Stone. Après, ce que je vais faire pour essayer d'être assez économique, vous allez voir. Enfin, vous allez peut-être pas voir parce que j'aurai pas assez de stone. Mais en fait, l'idée, c'est que il va falloir améliorer aussi le sol et les fondas. En fait, je vais faire juste les fondas qui sont comme ça en extérieur. Je vais pas améliorer celles qui sont au milieu vu que ça sert à rien. Les gens pourront pas passer par là de toute manière. Donc voilà, même si ça fera pas très joli peut-être, hein. Ce sera le plus utile. Ouais, donc en fait j'ai pas pu améliorer grand-chose hein, avec ça, vous voyez. J'ai pas pu améliorer beaucoup de murs. Mais bon, on a presque... Ouais, bon, on va vite faire le tour aussi, hein, mais... Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait, il me reste un peu de bois à la rigueur. Enfin, ce bois je vais en avoir besoin aussi pour faire chauffer, donc je sais pas. Est-ce que je continue un peu les constructions? Déjà ici, il faudrait que j'améliore là-haut. Donc ça, on va le faire. Ça, on va le faire. Il m'en reste genre deux là. Hop. Genre deux là, on est pas mal. Voilà, tout est au moins en bois, donc ça c'est déjà bien, ok. Après c'est vrai que l'ambiance est sympa, je trouve, c'est assez joli et tout. On est plutôt bien à l'intérieur. Oh, j'en ai oublié deux. Ah mais ça c'est moche. Surtout que j'ai pas assez pour faire le deuxième. Attendez. C'est bien ce qui me semblait, il y a du feu là-bas.
joueur qui se déplace là-bas. Alors j'aimerais bien savoir si c'est un joueur friendly ou pas. Il a éteint sa torche, il a dû voir que je l'avais cramé. Il a dû voir le feu chez moi peut-être aussi. Bon écoutez, on va juste prendre un petit morceau de bois là. Tac. Ah non, il a rallumé, il a rallumé. Il allume, il éteint, il rallume, il éteint. Bon, sachant que le feu du côté de là où il y a les murs en... Où il y a les murs en pierre, on le voit peut-être pas énormément. Hein. Regardez, si j'éteins ici, on le voit pas le feu d'ici. On le voit un petit peu en dessous quand même, mais bon. C'est pas flagrant. Je vais pas aller le chercher, écoutez. Hop. Ah, je fais un petit... Ouais, j'ai loqué. Hop. Maintenant tu te fermes. Oh, ça va, il dure longtemps là dans le feu quand même, ça va. Du coup, c'était lequel qui manquait? Ça devait être là-haut. Pas du tout. C'est là-haut, ok. Et voilà, donc déjà, c'est minimum du bois, voire même de la stone. Donc il y a juste cette porte à améliorer. J'ai pas assez de stone et ensuite il me faudrait mettre bah, le lock à cette porte aussi. Donc le lock je vais pouvoir le faire. Le lock je vais pouvoir le faire. Je sais pas, je vais peut-être pas faire le lock de suite, je vais faire plutôt une autre hatchet. Une autre hatchet et on va refaire des. Comment ça s'appelle? Des storage. Mettre. On va faire le plein. Faire le plein que je puisse vraiment vraiment tout déposer maintenant. On va remonter là-haut, voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, il a l'air de camper vers là-bas, je sais pas trop ce qu'il fait le gars. Bon, en attendant, c'est la fin de l'épisode, donc je vous dis qu'on se retrouve pour le prochain. Où on va essayer d'augmenter encore un petit peu la maison, de safeiser tout ça. Continuer sur notre lancée et puis pareil j'aimerais bien débloquer d'autres plans parce que là concrètement bon c'est bien hein, je suis déjà à 31 sur 65 donc en fin de compte j'en ai trouvé 11, je crois qu'on commence à 20 donc voilà l'objectif c'est d'arriver à débloquer les 65, de tout montrer, d'avoir une belle bâtisse et tout ça donc voilà hein, on va continuer sur cette lancée là donc c'est tout. Allez bah écoutez on se reprend à de suite pour ceux qui continuent le let's play directement.